de la réunion du bureau exécutif national du massif syndicat santé. Le bureau exécutif national du mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant, massif syndicat santé, au terme de sa réunion d'urgence, en date de ce samedi 15 avril 2023, tenue à son siège 6 à Yopougon, rue Princesse Immeuble d'Anistor, a adopté les résolutions suivantes. 1. Le massif syndicat santé, constatant l'effectivité de la mise en œuvre des tests d'application de la réforme hospitalière, marquée par les nombreuses réhabilitations, constructions et équipements des hôpitaux, voudrait de prime abord féliciter le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngun Demba, pour son dynamisme, sa volonté manifeste de booster le système de santé ivoirien et le rendre performant et robuste. Cependant, le massif syndicat santé voudrait interpeller Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle sur la nécessité de rendre disponible dès fin avril 2023 les avantages financiers de la réforme hospitalière portant sur la prime trimestrielle, l'indemnité de sujétion et les primes de garde et d'astreinte, comme mentionné dans les dispositions de la loi portant réforme hospitalière en Côte d'Ivoire. 2. Le massif syndicat santé appelle les agents de santé, toutes corporations confondues, à la mobilisation et à l'adhésion pour ensemble mener la lutte en faveur de notre épanouissement académique, professionnel, social et économique. 3. Le massif syndicat santé invite par conséquent l'ensemble des agents de santé de Côte d'Ivoire à une grande assemblée générale extraordinaire, historique, courant mois de juin 2023 pour évaluer la situation des agents de santé dans un contexte de fin de la prime COVID-19. Fin à Abidjan le samedi 15 avril 2023 pour le massif syndicat santé, le général Mao Setoun. Je vous remercie. Applaudissez. Massif syndicat santé, est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Camarades, soyons mobilisés. Nous sommes mobilisés.